infiniment pour votre fidélité, on ne peut plus précieuse et gracieuse à Tapis Rouge, l'émission qui se propose un coup de projecteur sur tous ceux qui font avancer la France et le reste du monde, est autorisé à marcher aujourd'hui. Monsieur Hervé Kité Bassimo, conseiller municipal de Savigny-les-Temples, c'est en Seine-et-Marne, le plus grand département de la région Île-de-France. Il est également conseiller communautaire de Grand Paris Sud. Bonjour, monsieur Hervé Kité Bassimo. Bonjour et merci de me recevoir chez vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, après votre agression physique par un élu de Savigny-les-Temples, votre ville d'ailleurs, quel est votre état d'esprit aujourd'hui? Écoutez, moi très sincèrement, enfin, il y a deux niveaux. Je suis extrêmement déçu par un tel geste, qui n'est pas un geste républicain. On est des hommes et des femmes engagés. Et notre souhait à nous, c'est de créer le débat d'idées et par ce débat d'idées, de changer véritablement le destin de nos concitoyens. Ce n'est pas par le pugilat, ce n'est pas par les coups, ce n'est pas par des réactions comme celle-là quand on arrive à répondre justement aux attentes de nos concitoyens. Mais en même temps, nous faisons confiance, ma collègue et moi, ma collègue qui a été très affectée, nous faisons confiance à la justice, nous avons porté plainte, et maintenant nous laissons courir la justice, et les suites... des suites seront données. Et c'est une honte pour votre ville, Savigny-les-Temples ? Je ne dirais pas que c'est une honte, c'est une grosse déception. C'est une grande déception parce que justement, notre ville est déjà sujette à plusieurs focus en termes de violence urbaine, de délinquance, et voir cela s'exprimer sous cette forme-là par un des élus de la majorité municipale est une grosse déception. Fort heureusement, tous les élus ne sont pas comme ça. Néanmoins, je tiens quand même à rappeler que la très grande majorité des élus de notre ville sont des gens respectueux de la loi. Nous avons des désaccords, certes, nous les exprimons autrement que par de la violence physique ou de la violence verbale. Donc ce n'est pas une honte, c'est une déception. Cela appelle quand même à réfléchir quant à notre responsabilité collective sur ce type d'agissement. C'était juste des questions d'échauffement pour les Français et les étrangers qui viennent de s'installer à Savigny-les-Temples, qui est exactement Hervé Kité Bassimo. Comme je vous le savez certainement, j'aime pas trop parler de moi, mais je préfère parler de mes idées, je préfère parler de l'action politique que je conduis avec mon équipe, une équipe plurielle, pluridisciplinaire en elle-même aussi, et très diverse d'ailleurs. Oui, en termes de présentation, je crois que c'est pas anodin. Alors, je suis Hervé Kité Bassimo, 49 ans, et je suis né à Kinshasa, en République démocratique du Congo, particulièrement fier d'avoir mon cordon ombilical enterré là-bas, comme on dit, et partie de mes racines sont congolaises et africaines, je le revendique, et une autre partie européenne également, espagnole, et tout ceci, cette fusion m'a donné, voilà, cette vision humaine, humaniste, ouverte et internationale, donc française, quelque part. 49 ans, marié avec la même épouse depuis près de 23 ans, de nos jours c'est assez rare, hein, mais on tient bien le coup. Et deux enfants, voilà, une fille, un garçon, et à Savigny-le-Temple depuis bientôt 20 ans, et j'aime ma ville, voilà, j'adore ma ville. Hervé Kité Bassimo, aujourd'hui, la droite et la gauche sont pratiquement à genoux, pour ne pas dire au sol. On parle du renouveau politique en France en ce moment. Est-ce que la victoire d'Emmanuel Macron envisage des lendemains meilleurs pour votre combat politique à Savigny-les-Temples? Écoutez, ce qu'il faut bien comprendre, c'est vrai qu'on a souvent tendance à rattacher la politique nationale à la politique locale, aux actions politiques locales. Il faut quand même prendre toute la bonne mesure, l'expression de la politique locale n'est pas forcément à l'image du national. Les acteurs locaux sont très impliqués dans la vie quotidienne, dans les vies des associations. Vous savez, c'est de résoudre les problèmes au quotidien, et des choses qui peuvent être aussi anodines que les plantations qui sont devant chez soi, ou comment traverser et faire traverser les enfants aux écoles, etc. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous assistons à un chamboulement politique qui est majeur. La France était fatiguée, l'offre politique ne répondait plus du tout aux espérances des Français. Et je dois reconnaître qu'Emmanuel Macron a eu ce culot, ce toupet de bousculer un peu les habitudes. C'est vrai.
Moi, je suis à l'UDI, donc je suis centriste. Et au sein de l'UDI, je fais partie de la famille du Parti radical, plus vieux parti de France, le Parti des droits de l'homme, donc créé en 1901. Le Parti radical, comme disait Ramayad, c'est une vieille dame que l'on écoute avec beaucoup de sagesse et beaucoup d'attention. Parce que, voilà, la vraie République se trouve au sein du Parti radical. Parti humaniste, tourné, pour nous, l'éducation est au cœur du dispositif, l'humain est au cœur du dispositif. Donc, on se reconnaît quand même dans beaucoup de ces actions-là. Mais l'offre politique française était à bout de souffle. Les socialistes, aujourd'hui, sont à genoux. Le Parti socialiste est à genoux. Les républicains sont en pleine interrogation. Et les deux franges des républicains, la frange humaniste et la frange droitiste, s'interrogent, s'interpellent. Donc, il y aura également du changement qui va intervenir. Néanmoins, sur le plan local, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'on fait au quotidien pour les habitants. Donc, même s'il y a effectivement des décisions au niveau national qui peuvent avoir un impact au niveau local, en matière de fiscalité, ce qui nous intéresse, nous, c'est de dépasser les clivages. Nous sommes déjà dans cette dynamique-là. Moi, quand j'ai conduit ma liste en 2014, nous étions déjà dans cette dynamique plurielle au sein de ma liste, et c'est ce qui a beaucoup plu, notamment aux Savignans. Il nous manquait très très peu de voix, donc 276 voix sur plus de 8700 exprimées, donc c'est très peu. Et ma foi, aujourd'hui, cela oblige les hommes et les femmes politiques à se poser les vraies questions, à se tourner vers la population davantage, à avoir plus de transparence, à discuter, échanger et à co-construire. Si on ne sait pas co-construire avec la population, on n'a pas à faire de la politique. La politique de vieux papa et de papy n'existe plus aujourd'hui. On est au 21e siècle. Donc les gens ont une maturité politique, ont envie d'une autre expression, à nous, hommes et femmes politiques, de pouvoir proposer autre chose et de proposer aussi une vision différente. Vous savez, moi, je suis un professionnel chez Orange. Je ne vis pas de la politique. Je contribue à la politique comme tout citoyen. Je ne suis pas un professionnel de la politique comme certains qui font toute leur carrière hors politique. Vous savez, moi, je connais ma concurrente, par exemple, qui est aujourd'hui maire de Savigny. Elle est élue au conseil municipal depuis 1981. Bon, à un moment donné, il faut peut-être penser à autre chose et peut-être aussi aller côtoyer la vraie vie plutôt que de rester dans ce petit cocon bien machin. Parce qu'après, on est déconnecté avec la réalité. Et d'ailleurs, c'est ce qui se voit aujourd'hui. Voilà, enfin, il y a un essoufflement même au niveau local. Donc tout ceci va changer en 2020 avec une nouvelle équipe qui arrivera, une équipe que je proposerai et qui redressera les choses à Savigny. Là où les autres abandonnent, moi je continue, c'est votre slogan qui est d'ailleurs visible sur votre page Facebook. Alors qu'en est-il exactement de votre combat sur la ghettoisation, l'urbanisation et la délinquance à Savigny-les-Temples? Vous savez, je peux vous répondre, c'est une excellente question parce que, et en plus votre introduction est très intéressante. Moi, j'ai eu des personnes qui m'ont inspiré politiquement dans leur engagement. Pas forcément dans l'ensemble de leurs idées, mais dans leur engagement. Gandhi et Mandela. Ces deux personnes exceptionnelles, si elles avaient abandonné, nous n'aurions pas aujourd'hui les droits qui sont les nôtres, nous qui sommes issus de la diversité. Nous sommes tournés vers 2020, nous nous préparons à la transition 2020, avec une équipe qui est très technique, qui connaît les dossiers, qui connaît les sujets, qui va faire une offre politique inédite en 2020, donc voilà, que je conduirai. Donc voilà, je vous donne le scoop. Vous êtes le premier média à qui je confirme que je partirai en campagne en 2020 et conduirai une liste en 2020. Mais tourner pour les Savignans, dans l'intérêt des Savignans. Et deuxième scoop aussi que je vous donne, et ça je vous le confirme, si je suis élu maire en 2020, je partirai uniquement pour un maximum de mandats. Parce que ça aussi, ça fait partie des convictions que l'on doit avoir. Je suis partisan de la limitation de mandats, et dans le nombre, et dans le temps. Deux mandats maximum. On impose aujourd'hui au président de la République d'avoir deux mandats successifs maximum. Voilà, pourquoi ne pas l'imposer partout et toute la déclinaison. J'ai des valeurs. Ces valeurs-là sont fondées sur l'éducation que j'ai eue, dans la pluralité, dans le respect des individus. Et je suis inspiré également, je me suis inspiré de ces grands maîtres de la pensée humaniste que sont Gandhi et Mandela, et bien d'autres aussi, Mais voilà, les deux principaux piliers, ce sont ceux-là. Comment ne pas assumer sa propre responsabilité quand on a un engagement? C'est la responsabilité que l'on a, vous savez. Quand on arrive à inspirer un jeune qui n'osait pas s'intéresser à la politique parce qu'on lui dit, c'est pas, c'est pas,
c'est pas pour eux, c'est pour les autres. C'est pour les autres. Et qui finit par y croire et par porter des idées autres que les vôtres. Moi, j'ai une anecdote très rapidement. En 2010, j'accompagnais une candidature, notamment Valérie Pécresse, pour les régionales. Et un jeune Savinien m'avait avoué être inspiré par mon combat, mais avait d'autres idées. Et il a souhaité contribuer sur d'autres idées. Et tout penaud, il est venu me dire, excusez-moi, mais voilà, je vais militer pour un autre courant. Je dis, non, c'est bien. Parce qu'enfin, tu te libères l'esprit. Et c'est ça qui est extrêmement important. Donc voilà, mon combat à moi, c'est de vraiment permettre à chaque individu, à chaque homme et femme, ceux qui croient être aujourd'hui indépendants et libres. Et je pense que nous reviendrons un peu sur les diasporas, et là, il y a un véritable sujet. Ceux qui croient aujourd'hui être libres et indépendants, je souhaite qu'ils le soient véritablement. Voilà le fond de mon combat, où qu'il soit et quel qu'il soit. Et comme vous l'avez dit, je suis extrêmement déterminé et je n'abandonne pas. Et là où il y a l'engagement, la peur ou la crainte s'estompe. Monsieur Hervé Kitebassimo, parlons un peu de l'engagement politique de la diaspora africaine. Mmh. On a fait un constat, c'est quand même avec amertume que nous allons lui dire d'ailleurs. Ils sont invisibles sur les listes électorales, invisibles même dans le bureau de vote. Alors, vous êtes élu municipal, qu'est-ce que ça vous fait? Ben écoutez, c'est... C'est un réel sujet. Vous savez, je fais partie du CEFOC, hein, donc le Conseil des élus français originaires du Congo-Kinshasa. C'est un constat. C'est un constat que nous avons au sein du CEFOC et qui est extrêmement malheureux. Il y a deux acteurs principaux, deux groupes d'acteurs. Il y a ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui et qui sollicitent la diaspora au moment des élections avec, comment dirais-je, des petits attrape-nigauds, voilà. On va dire les choses comme elles sont. Mais entre nous, on dit les choses. Des petits attrape-nigauds en disant, voilà, vous êtes souvent en groupe, en communauté, en association. Donc voilà, venez avec nous, on va vous donner un poste de conseiller, avec une délégation si on gagne. Très souvent, ce sont des délégations, très rares sont les adjoints. Hein. Sauf dans les très grandes villes, on n'a pas trop le choix. Parce qu'il y a une forte représentation. Alors, très rares sont les adjoints. Mais, et quand on, voilà, et puis on négocie pour être adjoint. Mais adjoint, pourquoi? Est-ce parce qu'on a les compétences ou parce que, justement, on représente une communauté? Et quand on glisse là-dedans, on fait de la politique communautariste. Moi, je ne me souscris pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de dire, il faut qu'on utilise, qu'on emploie les hommes et les femmes qui ont des compétences. Et ce n'est pas parce qu'on est d'origine africaine, Afrique noire, maghrébine, asiatique ou autre, que l'on est uniquement capable de diriger des associations. Ou qu'on ne peut pas avoir comme délégation uniquement les délégations à propos d'associations ou d'animation de la ville. Vous n'allez quand même pas me faire croire qu'il n'y a aucune compétence en matière fiscale ou en matière budgétaire et de finances de la ville ou de sécurité. Ces compétences, elles existent. Aujourd'hui, moi, je suis en capacité de les montrer dans toutes les villes limitrophes qu'il y a par ici. Ou aussi, vous savez, la réaction qu'il y a, très amusante, quand il y a un des rares candidats ou une des rares têtes de liste au municipal qui est né en Afrique, qui porte un nom africain, subitement, on voit le nombre d'Africains se multiplier dans les listes. Subitement. Moi, je suis ravi qu'on essaie d'opposer cela. Mais je dis, est-ce la bonne méthode? Ça, c'est le côté de ceux qui ont le pouvoir et qui distribuent les cartes. Et on voit très bien qu'ils distribuent les cartes avec un esprit qui n'est pas très propre, qui n'est pas sain, qui est un peu... avec des petits relents post-coloniaux. Hein. Par contre, à côté de ça, la responsabilité, elle incombe à qui? Elle incombe aussi à la diaspora et aux diasporas, à ceux qui vivent ici, qui n'assument pas pleinement leur rôle de citoyen français. On ne peut pas accepter d'être français uniquement par confort de sa carte d'identité. Parce que comme ça, tous les 10 ans, on ne passe plus en préfecture pour renouveler le titre de séjour ou autre, par facilité. Ben non. Quand on est français et on devient français, et encore plus quand on est né français, on assume pleinement à la fois ses racines, mais également la contribution que l'on peut avoir au niveau de la société française. C'est ça la richesse qu'il faut avoir. C'est ça qu'il faut, la réaction qu'il faut avoir. Donc, et là, combien de fois ne dis-je pas
aux gens de la diaspora. Allez dans les conseils municipaux, allez vous informer. Et vous savez, ce qui m'agace profondément, c'est qu'un jour, il y a un type qui vient et me dit « Ah, mais vous êtes dans la politique, vous faites de la politique. » Je dis « Oui, je fais de la politique, mais je travaille également dans une entreprise privée. » « Ah oui, oui, vous faites de la politique. Donc, vous êtes forcément de gauche, socialiste. » « Ah ben non, monsieur, je ne suis pas de gauche, je ne suis pas socialiste. Je suis centriste, centre-droit, je suis libéral. » Et ce n'est pas parce qu'on est basané ou qu'on est né en Afrique ou qu'on est africain qu'on est forcément de gauche. De gauche. Voilà. C'est ça, et ça, c'est la responsabilité de la diaspora. Elle doit s'assumer pleinement et assumer pleinement ses valeurs, ses idéologies qui sont diverses. On trouve des gens de gauche, de droite, et pourquoi pas, à la limite, s'il y a des gens qui se retrouvent dans l'extrême gauche ou l'extrême droite, c'est leur problème, c'est leur sujet. Mais ils doivent s'exprimer, ils doivent s'intéresser à leur collectivité. Et on ne doit pas s'intéresser à la mairie uniquement pour aller commander une salle quand il y a un matin. Là. Aussi, qui doivent alimenter les courants politiques et comme oser y aller. Comme aux États-Unis d'ailleurs. On... Exactement, comme aussi bien aux États-Unis, d'autant plus que nous, en France, nous avons quand même, n'oublions pas tout de même que, pendant la Seconde Guerre mondiale, la capitale de la France libre se trouvait où ? Brazzaville. Brazzaville. À Brazzaville. Donc nous avons une histoire très particulière et très attachée avec la France. Sinon, quelle est l'image que l'on donne à nos enfants ? Parce que nos enfants, eux, quand ils naissent ici, ils sont français, ils ne sont pas congolais, ils ne sont pas ivoiriens, ils ne sont pas togolais ou je ne sais, ou béninois, ou algériens, ce sont des Français. Des Français. Quel est le job que l'on fait, nous, en tant que ressortissants de la diaspora ? Si on ne fait pas le job pour aller ouvrir une première porte, une deuxième, une troisième, si on ne fait pas le job d'aller se présenter à des élections, bien sûr, on va perdre. Moi, en 2012, je me suis présenté aux élections législatives. J'ai perdu, mais j'ai fait une campagne qui était digne. Et les gens l'ont reconnu comme telle. Et si j'ai perdu, c'est juste pour une seule chose, que je n'avais pas l'étiquette politique qui était bien accrochée. Parce que d'autres qui avaient les bonnes étiquettes ont fait le score sans faire campagne. Par contre, on se souvient de la campagne de Hervé Kitté-Bassimo dans le territoire de la 11e circonscription. J'ai osé, j'y suis allé. Quand on m'a demandé d'aller conduire une liste aux élections municipales, je ne me suis pas posé la question de dire « Est-ce que moi, issu de la diaspora, est-ce que j'ai le droit ?» Non, je suis français, j'assume mon rôle, je m'investis et j'y vais. Voilà. Et c'est ça que la diaspora doit prendre ses responsabilités, il doit s'engager. Le CFOC est là aussi, si les gens ne savent pas comment y aller, comment faire de la politique au quotidien, les élus du CFOC sont là. Vous savez, au CFOC, il y a des gens de gauche, de droite, du centre, du machin, enfin de tout, hein, toutes les obédiences sont présentes, et nous sommes là. Ce qui est valable en politique, hein, est également valable dans les grandes entreprises. C'est exactement la même chose. Nous n'osons pas nous investir, nous restons dans les petites associations, nous n'allons pas... La force, elle est quand même présente. Vous savez, le Quai d'Orsay a évalué à combien le nombre de Congolais recensés en France ? 450 000. D'accord ? 450 000. Et je suis sûr que si on prend uniquement 50% d'entre eux, ce sont des électeurs, je défie n'importe quel homme ou femme politique de se passer de 200 000 électeurs. Il n'y en a pas un seul. Mais pas un seul. Tout à fait. Multipliez ça par toutes les diasporas et vous comprendrez très très vite que la diaspora a toute sa place et elle doit prendre sa place dans le concert de la gestion de la France. Nous ne sommes pas uniquement doués pour le foot, pour la musique, pour le basket et pour l'art, mais nous sommes également doués pour la gestion. Et nous avons notre mot à dire au même titre que n'importe quel citoyen français. Moi, je dis, s'il y a un message que je dois dire, diaspora, soyez fiers de vos racines, mais bousculez-vous, investissez-vous et allez au cœur du dispositif du pouvoir français. Votre cordon ombilical a été enterré à Kinshasa, vous l'avez dit. Oui. Ça veut tout simplement dire que votre cœur bat également pour la RDC. Ouais. Alors, lorsque vous regardez les femmes violées à l'est de la RDC, des jeunes tués pratiquement tous les jours, qu'est-ce que ça vous fait, M. Hervé Kitté-Bassimo ? Ça me révolte. Ça me révolte. Vous savez, je n'ai pas la réputation d'être insensible. Mais j'ai eu à voir des images qui m'ont tellement bouleversé que je n'ai pas honte de le dire. Oui, oui. J'ai pleuré pour ces mamans, ces sœurs, ces... Vous savez, enfin, j'ai un ami, quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime, beaucoup de respect, qui s'appelle Denis Mukwege. Il n'est pas le seul médecin qui s'investit comme ça. Mais celui-là, je le connais.
Je le connais personnellement et c'est véritablement quelqu'un pour qui j'ai énormément d'estime. Et aujourd'hui même, sa vie est en danger. Sa vie est en danger et on essaye de mobiliser la diaspora pour qu'il puisse être protégé, parce que son action n'est pas une action personnelle. C'est une action collective. Voilà. Et c'est là où il faut vraiment bien comprendre ce message-là. Denis Mukwege ne travaille pas pour lui, pour sa propre réussite. Denis Mukwege travaille pour le bien-être, non simplement du Congo, mais également de l'humanité. Je ne peux pas comprendre qu'on vienne violer des femmes avec une telle bestialité. Et derrière ça, il n'y a pas que ça. Le concept de la démocratie aujourd'hui est un échec, la RDC. On ne peut pas dire le contraire. Dire le contraire est complètement faux. C'est un mensonge, réalité. J'ai eu à rencontrer des représentants du pouvoir politique aujourd'hui. Je leur ai dit en face que de toutes les façons, nous sommes tous en train de marcher en direction de notre propre mort. Je l'ai dit en public, aux réunions publiques que nous avons faites, justement pour voir et réfléchir comment nous pouvions dégager et proposer des voies de sortie à ce gouvernement. Et que la démocratie s'exprime. Nous sommes tous en train de marcher vers notre mort. Il y a différentes façons de pouvoir entrer dans l'histoire. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils ont le choix d'entrer dans l'histoire, soit par la porte dans laquelle ils vont être reconnus comme acteurs de la paix, soit par la porte associé à ce qu'il y a de plus vil de l'humanité. Et je ne comprends pas pourquoi il y a cette espèce d'obstination à vouloir confisquer le pouvoir alors qu'on doit apporter justement de la démocratie. Le Congo est un pays merveilleux. Pour moi, c'est un des plus beaux pays du monde, si pas le plus beau pays du monde, avec une diversité extraordinaire. Pourquoi gâcher cela? Une diversité ethnique exceptionnel, et les gens s'aiment, et alors qu'il y a un groupuscule de voyous, d'inhumains, qui vont violer, mutiler, tuer, au titre de quoi? Donc, chaque fois que j'entends, que je vois cela, je suis choqué, je suis triste, mais je ne reste pas inactif. Je tiens à préciser une chose, hein, je ne m'inscris dans aucun parti politique congolais. Ce n'est pas ma préoccupation. La seule autorité que je reconnais au Congo aujourd'hui, c'est l'autorité du peuple. C'est la seule autorité. Il n'y a que le peuple qui m'intéresse, et non pas tel candidat ou pas tel candidat, tel type de la majorité ou pas tel type de la majorité. Ça ne m'intéresse pas. Le combat de ceux qui recherchent le pouvoir pour le pouvoir ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour les hommes, les femmes, les enfants du Congo. C'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour que ces hommes et ces femmes arrivent à vivre en paix, puissent se dire qu'il y a un avenir, puissent se soigner, puissent manger à leur faim, puissent avoir un avenir. C'est ça qui m'intéresse. Si la majorité présidentielle actuelle est en capacité de faire le boulot, ils n'ont qu'à rester, ils fassent le boulot. Si c'est tel autre groupe, qui tel autre candidat est en capacité, ils le fassent. Mais à un moment donné, il faut rendre au peuple ce qui est au peuple. Moi, il y a une chose que j'avais inscrite hein, dans mes cartes de visite. Hein. Vous savez, c'est quoi? C'était un slogan que j'aimais bien. Et on m'a même demandé si j'étais mobutiste ou si j'étais du MPR. C'était servir et non se servir. Hein. Ce n'est pas une invention du MPR, mais c'est servir et non se servir. Même Gandhi l'avait sorti, oui. Servir et non se servir. Ça doit être une réalité politique quotidienne. Donc je ne peux pas comprendre, et je n'admets pas aujourd'hui, et ça c'est véritablement une préoccupation, et croyez-moi, je fais passer les messages aux personnes qui conviennent, qui sont dans le périmètre que je peux atteindre, l'action que je peux mener moi-même, de telle façon à ce que les pouvoirs occidentaux, notamment, aient une attention particulière en Afrique, et plus particulièrement au Congo, en RDC, afin qu'on puisse vraiment y apporter de la paix, de la sérénité, et qu'on donne à ce pays un avenir. J'aimerais vraiment, vraiment pouvoir revoir le Congo apaisé, en paix, en fraternité. C'est un pays exceptionnel, c'est un pays magnifique, et les gens, les Congolais, les Congolaises, méritent autre chose que de souffrir. Je pense qu'il est temps de passer à autre chose là. Univar, une grande première au Mieux-sur-Seine, la ville positive. Le 8 juillet, au MAS, aura lieu un événement
en guise de collecter les fonds pour aider justement les enfants de Kikolé, Saint-Quartier de Kinshasa. Oui. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un élu municipal comme vous, originaire de la RDC? Wow. De l'engagement. Mais voilà, moi je vous ai dit, un, je veux mobiliser déjà en priorité les élus français originaires du Congo-Kinshasa. Mais pas simplement eux, mais également, je fais partie d'un think tank, hein, donc d'un groupe de réflexion qui s'appelle Elikia. Elikia, l'espoir. Mais nous avons écrit Elikia avec un H, comme l'humain et l'humanité. On a ajouté un H entre le K et, voilà, et le I. Elikia, au sein d'Elikia, nous allons mobiliser aussi et inviter des acteurs, parce que dans la diaspora congolaise, il y a un certain nombre de Congolais qui aujourd'hui occupent des positions et des postes et des fonctions extrêmement importantes dans des grands groupes également. Mais il y a également un certain nombre de chefs d'entreprise qui peuvent venir et qui peuvent apporter. Déjà, de la mobilisation et de l'attention. Kinkole, c'est un point que je connais bien, et que je partais souvent le week-end là-bas aussi avec les scouts, on allait vers Kinkole. Donc voilà, moi, c'est quand vous m'aviez parlé de ça, ça m'a ramené des souvenirs exceptionnels, quoi, exceptionnels. Donc de la mobilisation, de la volonté, pas simplement de la mobilisation des Congolais, mais bon, voilà, de la mobilisation personnelle également, et de l'engagement personnel, pas simplement de la mobilisation, mais de l'engagement personnel. Je demanderai à chaque élu du CFOC de s'engager, pas simplement de faire des déclarations, hein. Mais ils me connaissent suffisamment, ils connaissent bien mon slogan. Donc je n'oublie pas non plus. Tapis rouge, Hervé Kitebassimo, alors votre coup de gueule. Mon coup de gueule? Ben, mon coup de gueule, ça ira encore une fois en direction de la diaspora. Et si je peux juste résumer, je dirais, mais bougez-vous. Bougez-vous parce que franchement, vous êtes une force réelle, une force vive. Bougez-vous pour l'avenir, bougez-vous. Vous ne pouvez pas, on ne peut pas venir prétendre aimer le Congo, aimer son pays d'origine, aimer ses pays d'origine pour les différentes diasporas lorsque vous ne faites rien, vous ne vous engagez pas auprès de vos collectivités et faire entendre les choses différemment. Comment voulez-vous qu'on puisse parler notamment de politique de la décentralisation? Comment voulez-vous qu'on puisse parler de jumelage? Comment voulez-vous qu'on puisse parler de partenariat, même de partenariat d'entreprise, si vous n'êtes pas présent sur les instances décisionnelles? Bougez-vous. C'est bien de participer à des associations culturelles, des associations de tel quartier ou tel quartier de Kinshasa, du Bas-Zaïre, du Katanga ou d'ailleurs, ou du Kivu, peu importe. C'est très bien, c'est bien. Ça ne suffit pas. Faites un peu votre propre bilan politique. Dites ce que vous souhaitez. Allez dans le conseil municipal. Regardez. Et puis, si ce qui est proposé ne vous convient pas, ayez le courage de monter une liste. Montez une liste. Proposez quelque chose. Allez voir vos voisins, vos voisines, les parents d'élèves. Allez voir vos concitoyens français qui sont là et proposez une alternative politique. Le message, mon coup de gueule, c'est ça. Je ne veux pas qu'en 2020, on entende encore que la diaspora congolaise, togolaise, ivoirienne, tchadienne ou peu importe à travers le monde ne s'investit pas. Je ne souhaite plus qu'on entende cela. Vous voulez que les choses fonctionnent et changent, et là je m'adresse plus particulièrement à la diaspora congolaise. Vous souhaitez que les choses changent au Congo, eh bien, montrez que nous sommes une force politique également ici en Europe, en France, en Allemagne, en Belgique, en Espagne ou partout ailleurs. Nous sommes présents, nous avons des positions politiques, nous avons des positions dans le monde des affaires, nous avons des positions dans les grands groupes, et dans les grandes entreprises, nous sommes en capacité de nous mobiliser, mobilisons-nous. Pour le peuple congolais et non pas pour une personne. Mobilisons-nous pour des valeurs que nous souhaitons faire changer et non pas uniquement pour le pouvoir, pour le pouvoir. Et ça, pour cela, ça passe nécessairement par l'influence que nous pouvons apporter au sein des instances décisionnelles françaises. Voilà mon coup de gueule. Et votre coup de cœur? Ah, mon coup de cœur, c'est que j'ai quand même de l'espoir. J'ai de l'espoir, je crois en l'humanité. J'aime les gens, j'aime les hommes et les femmes, les enfants qui nous entourent. J'aime à croire que nous serons en capacité de pouvoir changer les choses. Donc voilà, mon coup de cœur, c'est de dire, aujourd'hui, je veux croire en la capacité justement de cette diaspora à se transformer. Donnons-nous encore cette chance-là et je dirais, à la fois, mon coup de gueule est une chose, mais à la fois, mon coup de cœur, c'est celui de dire, demain sera meilleur parce que je sais que la diaspora va s'engager. Demain sera meilleur qu'aujourd'hui, M. Hervé Kitebassimo.
Notre entretien touche à sa fin. Un message à tous ceux qui vous regardent à travers le monde entier. Ça va être un message qui va être peut-être galvaudé, mais il nous appartient, pour qu'il y ait la paix quelque part, ça appartient à chacun, et non pas à une élite. Mais c'est à nous tous de pouvoir œuvrer avec détermination et force, sans jamais abandonner, là où d'autres abandonnent justement, et d'œuvrer pour la paix. La paix dans nos pays d'origine, la paix dans nos quartiers. Le bien vivre ensemble, c'est pas une utopie, c'est quelque chose auquel moi je crois. Et très honnêtement, voilà, si je dois dire quelque chose à travers le monde, chacun d'entre nous est en capacité de faire juste le petit geste qui permet d'instaurer la paix. Regarder son voisin et de lui dire bonjour avec un sourire bienveillant. Aider sa voisine à porter ses choses, ses courses. Chercher à ce qu'un quartier puisse vivre et revivre. Apporter ce qu'on a appris dans son village, du fin fond du Bandundu. On peut apporter des choses que l'on peut dire, voilà, voilà comment nous on faisait des petites cultures, voilà comment on peut adapter ça pour avoir des éco-quartiers. Voilà. Donc, ça sera ça mon message d'espoir. Et c'est Divya TV qui vous déroule le tapis rouge aujourd'hui. Et comment vous appréciez cette initiative? Ben écoutez, c'est un bel exercice, c'est génial. Je me sens reçu en famille, en amitié. C'est un exercice qui est très intéressant et à renouveler avec plaisir. Hervé Kitebassimo, conseiller municipal de Savigny-les-Temples, conseiller communautaire de Grand Paris Sud, c'était notre invité d'aujourd'hui sur Tapis Rouge. Merci pour votre fidélité. On se retrouve prochainement.